Hello! Bah d'habitude je me lève tôt, mais là, oh, j'avais pas envie de sortir du lit. C'est trop bien. Opération du jour. Je crois qu'on n'avait pas fini le bois dur. Mais on va surtout aller farmer l'iridium pour le bateau. S'il nous faut 5 lingots et j'ai rien. Ouais, c'est dimanche, puis en plus demain, je commence le boulot à 7h pile. Donc il va falloir que je me lève tôt. Donc je me suis dit, on va rester un petit peu au lit, on est bien. Pour le bois dur, ouais, j'en étais qu'à 95 sûrement. Bon, il m'en faut 200, donc ça va aller. Oups. Les esprits sont très heureux aujourd'hui. Bon, on va peut-être aller aujourd'hui chercher notre iridium, hein, du coup. Alors, oui, tourteau myrtille, ok. Lui, il me donne quoi? Il veut un homard frais. Ok, bah écoute, si un jour on en trouve un, je le donne. Là, tout est bon. Tout est arrosé normalement, donc j'ai pas trop à m'embêter, pardon. J'ai ma nouvelle petite grange, donc ça, c'est très cool aussi. On s'en occupera plus tard. Là, on va vraiment faire un focus sur l'iridium, je pense. Mettre ça et ça en vente. Je vais garder ça. Hop. On va le prendre aussi. Là-dedans, je crois que c'est rechangé. Et coucou! Comment ça va? Ouais, là-dedans, ça change pas trop. On va manger mes fruits là-dessus, mais pareil, on verra plus tard. Je vais faire des petits coucous aux animaux. Sais pas si j'ai pu parler à tout le monde. Peut-être pas à toi. Ouais, non, à toi. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Lui, il est coincé là-dedans. Il repart. Et j'ai ça. Donc, ça, c'est cool. Donc, vraiment, il n'y a personne encore là-dedans. Hein. Je crois que j'avais pas fait de changement. Non. Donc on verra plus tard. Et ici. Voilà. Ça va, ça se passe plutôt bien. On va essayer de pas mourir en allant chercher l'iridium. Ça va être le plus compliqué. Oh, ça fait du bien de traîner un petit peu là. Ah ben il y a encore un là. Voilà. Et puis, je suis assez fatiguée en ce moment, donc parfois il faut savoir se poser et dire stop, quoi. On va mettre des patates. Et puis je sais pas quoi d'autre. Bon, toi tu reviens là. Ah non, moi ça va, j'ai. Bon, en gros, je travaille lundi et mardi de 7h à 14h30, donc ça c'est plutôt cool. Mercredi j'ai cours, mais c'est à domicile, donc bah, tranquille aussi. Et après, c'est jeudi, j'ai mon jour de repos. Et je retravaille. Je crois que j'ai mon jour de repos jeudi. Je travaille vendredi et samedi c'est férié en fait, donc tranquille quand on est bien. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Oh. Que c'est si grave. J'ai la flemme. Là, j'ai rien à ranger là-dedans. Maintenant, on repart. On va aller voir nos petits coins-coins là. Coucou, coucou, coucou. Coucou, coucou. Toi, je t'ai pas fait coucou. Si, non, c'est le canard, j'ai pas fait coucou, c'est le canard. Coucou, coucou. Ah, vous voyez qu'ils vont dans l'eau? Regardez. Là, j'ai une vraie preuve, là. Là, j'ai une vraie preuve. Voilà, hein. On me dit, non, non, les canards, ils vont pas dans l'eau, t'as fumé et tout. Tiens, tiens, c'est quoi ça, hein? Voilà. Il est trop mignon. J'avais fini la quête avec ces œufs, là. Non, il en manque un. Je vais lui donner un œuf. Lui donner. Oh punaise, j'ai que des œufs de qualité. Je vais lui donner un comme ça. Ah bah oui, il faut, ça serait bien. Hop, voilà. Et le reste, on va le mettre dedans.
Regardez comment il est trop content. Là, il est en train de vivre sa meilleure vie, le petit coin-coin. Il est ressorti. Donc j'ai vraiment bien fait de la mettre là. Moi. Je me suis dit, on va essayer. J'avais entendu parler que c'était possible qu'ils aillent dans l'eau, mais c'était pas très sûr. Je suis contente. C'est trop mignon. Alors, j'en suis à... Je vais mettre ça ici. Voilà. Il va falloir qu'on aille... Attendez, j'ai un trou de mémoire sur ce que je voulais faire. Si, je voulais aller dans ma cave. Voir si j'ai de la place pour mon fromage. Non, j'ai pas de place. Donc je vais ranger le fromage. Je vais en profiter pour prendre de la nourriture pour aller bah, dans la truc là. Tac tac, là on est bon. Bon, le lait, je vais le vendre, je vais pas m'embêter. Voilà, alors on prend. Je suis limite à prendre quand même du fromage avec moi parce que mine de rien, ça rapporte pas mal de santé, hein. C'est ce qui me rapporte le plus de santé, le fromage, hein, j'ai l'impression. Bah écoutez, je prends mon fromage. De toute façon, j'en produis assez pour que ce soit bien. Et bah, je vais peut-être prendre ça aussi, une petite friandise de mineur. Voilà, comme ça, on est tranquille. Je vais du coup vendre ça, ça, ça et ça. Voilà, je vais poser mon bois dur pour pas le perdre si jamais je meurs. Je vais poser la hache aussi, parce que je n'en ai pas besoin. Ah bah j'ai du café là-bas, on prend du café, c'est très bien ça. Voilà. Ah, j'ai oublié de vendre ça aussi. Tac. J'ai ça pour rentrer en toute urgence à la maison au cas où. Et il me faut des bombes. Est-ce que j'ai des bombes? J'ai des bombes, un petit peu. Voilà. Hop. Ah, Cozy Grove, j'y jouerai après. J'aime trop le jeu, hein. Franchement, j'aime trop, 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 trop. Je suis trop contente. Ah, et puis j'ai fait une bêtise, hein. De Spectra. Hier, j'ai réinstallé Skyrim avec 333 mods. J'ai commencé un petit peu à jouer hier soir et je pense que cet après-midi, je vais y aller à fond. C'est fermé. Oh, punaise. Est-ce que je l'attends midi pour donner l'œuf avant d'oublier? Parce que je me connais bien, je vais le zapper, moi. Et je vais le vendre, après je vais être triste. Quoi qu'il reste ouvert jusqu'à minuit. Bon, allez, perdons pas de temps. Je repasserai. Puis si j'y pense pas, j'irai le lendemain. En fait, j'ai trouvé un pack de mods tout fait par un Français. Et bah, du coup, il y a la plupart des mods, ou même la totalité, je crois, qui sont traduits en tout cas. J'ai pas eu de problème de traduction jusque maintenant. Donc c'est cool. Le jeu est très très beau en plus comme ça. Après j'attends vraiment... Là je continue tous les jours d'essayer de trouver une carte graphique. Mais c'est vraiment compliqué parce que quand je suis au boulot, bah, des fois il y en a qui passent que j'aurais pu acheter mais tant pis. Mais je continue de suivre ça et ça part tellement vite, c'est galère, hein. Et le jour où je trouve ma carte graphique, je me commande une nouvelle tour parce que ça passera pas dans ma télé actuelle, ça c'est sûr. Bon, on descend, hein. On va chercher l'iridium. On essaye d'aller au plus rapide. Oh, punaise. Ça craint, ça craint dès le début. On n'a pas bu le café. Le café. Alors en fait, le plus compliqué, c'est pas de la payer la carte graphique, c'est de la trouver. Parce que t'en as une qui va être disponible à prix abusé d'ailleurs, parce qu'elles sont toutes super chères, ça lui fait. Et enfin, elles partent en 30 secondes, il n'y en a plus quoi. Ils ont très peu de stock à chaque fois, c'est une horreur. Qu'est-ce que t'as? Je t'ai donné à manger, hein. Donc tu peux venir râler, il n'y a rien qui va changer, hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Peux pas, je suis occupée. Non, tu vois pas, tu t'en fous, hein. On esquive le slime. Vas-y, viens, viens te battre, viens te battre.
Et un petit plat. Au pire, j'ai vu que j'avais encore 9 jours pour l'œuf, donc j'irai lui donner à l'occasion. Là, il faut vraiment qu'on focus sur l'iridium. Hein. On ne perde pas de temps. Je crois qu'il faut quand même descendre pas mal hein, pour en trouver, non? Ou on en a déjà trouvé au début, je sais plus. Ouais, tu sais quoi, je vais mettre une bombe ici. Je suis un peu trop près, je vais me la prendre. Ouais. Ah, y a rien. Hein. Ok, c'était là. Ah, mais d'habitude ils font du bruit avant d'arriver. Là, il en a pas fait. Ça me stresse. Oh, pilier, il y en a deux. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que je suis très mal placée. On va manger du. Bah, on va manger du ça, tiens. Voilà. Ils font plus de bruit, j'ai l'impression. D'habitude, ils font du bruit. Ils font un espèce de cri. Voilà le bruit là. Ils le font avant d'arriver sur moi d'habitude. C'est dangereux là de pas s'annoncer comme ça. Vous êtes pas cool. Deux, il y en a deux. Voilà, ça c'est fait. Lui, je vais l'ignorer. Ah. Faut que lui, si je le fais venir par là, que je fais exploser ici, ça peut le faire. Faut peut-être trouver une sortie. Mais bah, il n'y a plus qu'une grosse bombe. On va mettre une grosse bombe. On va prier pour que ça passe. Yes. Bon. Ah, par contre, elle a du diamant, ça je prends. Ça c'est cool. Mais, ouais, non, ils font plus de bruit. Et alors? Bon, là, il n'y a rien. Ça craint, hein. C'est la misère. Je crois que c'était un jour de chance. Ben, même pas. Ils ont pris la discrétion, mais complètement, oui. Ah, un trou. Moi, je voudrais de l'iridium, s'il vous plaît. Genre, c'est... Il m'en faut pas beaucoup, en plus. Hein. Juste de quoi faire. Allez, 4 lingots, parce que je crois que j'ai de quoi en faire un, déjà. Ah, là, il s'était annoncé, là. On l'a entendu. Attendez, je vais tout péter sur le passage, parce que si je trouve de quoi descendre avant, je serai mieux. Je déteste cet étage-là, là. C'est l'étage qui tourne. C'est super chiant. Bon, en tout cas, on risque pas de manquer de cailloux, hein. C'est sûr. Je vais manger un bout de fromage. Voilà. Oh là là, non mais là, il y a tout le monde qui débarque là. Tout va bien. Et niveau géode, on est pas mal aussi. Hein. Je vais les mettre là comme ça, je regarde. Ah, on est vraiment pas mal pour les géodes. Peut-être ça, le jour de chance. J'ai de la chance pour trouver des géodes aujourd'hui. Alors d'habitude, j'en trouve pas.
Enfin, par contre, là, c'est la misère pour trouver des escaliers. Bon, on va revenir ici tous les jours. Hein. Ah, il y a de quoi descendre là-bas. On va y aller. On va revenir ici tous les jours jusqu'à ce qu'on ait ce qu'il faut. Hein. Encore, il n'y aurait pas tous ces ennemis qui nous font perdre du temps. Ça irait, regardez ça, là. Hop, salut, on se casse. Ah, je vais juste checker, voir s'il n'y a pas de l'iridium quelque part. J'ai entendu un serpent, je sais pas où il est. Ah, ça y est, il arrive. Ah, j'ai une grosse bombe. Attendez, il y a le fantôme, là, pour la géode, c'est pas mal. Il se décide. Je suis bloqué pour le moment. Voilà. Il n'y a rien. Hop, on se casse. Ah, alors un petit trou. Je vais juste checker qu'il n'y ait pas d'iridium dans le coin. Oh punaise, ça m'a fait peur. Je ne l'avais pas vu. Bon, il me faut des ailes de chauve-souris aussi, donc on prend. C'est toujours ça. Le jeu est radin aujourd'hui. Mais alors vraiment, quoi. Il s'est dit, bah, je vais lui filer toutes les géodes. Et par contre, pour l'iridium, non. Bon, après, je peux peut-être trouver de l'iridium dans les géodes. Hein, c'est déjà arrivé, mais bon. Là, il n'y en a pas. On va descendre ici. Ça, je vais en prendre un. Je sais plus, je crois que j'en avais besoin, mais je sais plus pourquoi. Ici, on a quoi? Rien du tout, hein. C'est la galère. Ah, on n'est jamais venu ici. Ah bah voilà. Bon, il y en a qu'un, mais c'est déjà ça. Je fais un petit tour voir si on n'a pas un deuxième, mais j'ai perdu espoir, je crois. Oh punaise, faut qu'on se casse de là. Oh là là, je vais être bloqué. Oh là 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 là. Ah, au secours, au secours. Oh la vache. On va se calmer, hein. Bon. Alors, je vais ignorer les gros slimes le plus possible. Voilà. Ils sont pas très rapides. Donc, vu que là, il y a de l'espace, je peux me permettre de les ignorer. Pour essayer de chercher un truc. Bon, il n'y a rien. On va faire péter tout ça. Il me suit, hein. Oh là là. Oh, attendez. Je vais mettre une bombe ici. Je me suis sauvée. Oh là là, j'en peux plus. On est à 20 géodes, par contre. C'est pas dégueu, hein. Bon, il est 23h, j'irai pas hein, au gars pour les œufs aujourd'hui, je pense. Quoique, ouais non, j'irai pas. Et je rentrerai en me téléportant. On en a combien là? 6, donc je peux faire un lingot. Donc 2 avec ce que j'ai déjà à la maison. Il m'en faudra plus, je crois qu'il me faut 5 lingots hein, pour le bateau.
Ah, par contre, le nombre de géodes que j'ai trouvé, c'est hallucinant. Ouais, on va rentrer, hein. Allez, on rentre. Faisons gaffe, hein. Voilà. Est-ce que je peux passer là? Yes. Je vais récupérer ça. Hop, je vais la remettre. Et puis on y retournera demain, hein. Parce que ici. Ouais, j'en avais déjà. Voilà. Je vais poser les géodes, comme ça je les perds pas. Voilà. Là. Ici. Et là. Ici. Voilà, le reste. Alors ça. On va le ranger aussi. Ça et ça, je vais les vendre. Je vais garder les petits plats, hein, c'est toujours ça. Donc j'ai dit ça, ça et ça. Ça se vend. Voilà. Le reste, on garde pour demain. Donc j'ai même un petit plat en plus qui est pas trop mal. Et on y retournera. Hein. Est-ce que... Ouais, non, on va regarder demain la cave. On avait tout qui était à 10, hein, c'est bien ça. Je me suis mis un doute toute seule. Bonjour. Cool. Un petit bisou, voilà. Alors. Ah, la reine des sauces. On va prendre une nouvelle recette. Salade de fruits, ok, cool. Ensuite, la bonne aventure. Normal, ok, bon bah. C'est pas de plus de la malchance. Ici, on n'a rien qui est prêt. On peut repartir. J'ai mes deux lingots qui sont prêts. J'ai plein de trucs à récolter, par contre. Il me fallait de la betterave, c'était pour la quête de qui? Bah, de qui? Créateur du Merlewis. Ok. Ça se récolte pas encore et ça non plus. On va faire un petit tour par là-bas aussi. Bon, bah c'est pas mal là. J'ai pas été revoir là-dedans ce que ça donne. Encore presse, hein. Et pour les arbres, ils sont encore petits. Je crois que je pense à planter les autres arbres aussi. Ah, attendez, je fais un petit peu de place pour accueillir le lait. Voilà. On est pas mal. Coucou, je fais que passer. Hein. Hop. Ouais, faut pas que je mélange. Ça va mélanger avec l'autre œuf que j'ai là. Ouais, bon, faut que je fasse gaffe. Hein. Dit que je voulais garder celui-là de côté, donc attends, je vais en poser un, voilà, et lui on le range, voilà. Voilà, comme ça on est sûr de pas faire la connerie. Et je crois que j'ai encore, ouais, j'ai encore deux œufs qui traînent là. Lui on le gardait de côté, et le reste c'était bon. Voilà.
Alors, je vais reposer ça. Donc, je vais garder les betteraves. Même si je pense que je pourrais en remettre plus tard, mais c'est pas bien grave. On va mettre ça et ça ici. Qu'est-ce que je peux garder d'autre? Bah, rien en fait, hein, parce que le reste, je vais le vendre. J'ai pas vu celui-là. Alors, ça et ça, on vend. Ça, je garde. Ça, je vends. Ça, je garde. Je garde, je vends. Je garde. Je garde. Je vends. Et je vends. Voilà. Quoi? Alors, tac, comme ça. Voilà. Là-dedans, il n'y a rien. Non, c'est là-bas. Voilà. Le petit fromage normal, il va aller ici. On va garder ça. Tac, tac, tac. Bah, écoutez, je pense qu'on est bon parce que ça, j'en ai besoin pour dans la mine. Voilà. Ça, j'en ai besoin pour la quête. Donc, on va essayer de voir pour aller poser ça chez le maire tout de suite. Et le reste, bon, ça va le faire. Je sais pas si je peux aller chez le maire à cette heure-ci. On va essayer. C'est ça qui est chiant, c'est qu'on a des quêtes à mettre des trucs chez les gens, mais on peut pas y aller quand on veut. Il est dehors, donc je sais pas si je peux rentrer chez lui comme ça. Si, c'est bon. Et du coup, faut que je mette quoi? Où ça? Dans le frigo? Dans le réfrigérateur du maire. Bah, c'est celui-là. Déposez rapidement les betteraves dans le réfrigérateur. Une petite seconde. Il y a une note collée sur la bouteille de lait. La note vous est adressée. Bon travail, ta dernière tâche, donner son dernier repas au dragon de sable. Oh, cette histoire encore. Le dragon de sable, je suppose que c'est une espèce de grosse carcasse qu'il y a dans le désert, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui donne? Bon, on s'en occupera plus tard, c'est pas grave. J'ai encore du temps pour les œufs là. Oui, c'est bon. Si je peux réussir à faire les 5 minerais aujourd'hui, j'aurais réussi mon objectif du jour. Je suppose que c'est ça le dragon de sable. Mais c'est-à-dire lui donner son dernier repas. Le soleil du désert. Il veut goûter un soleil. Un soleil. Est-ce que c'est pas genre les espèces de trucs dorés qu'on trouve quand on tue les squelettes? On pourrait essayer. Bon, allez, petit café. Tac. On y go. On cherche un truc pour descendre. S'il n'y a rien, on casse tout, c'est pas bien grave. Non, il n'y a rien. Crois qu'à force, je vais me faire des escaliers. Avec toute la pierre que j'ai amassée, franchement. Ça gênerait pas trop, je crois. Ah, là, il s'est annoncé, on l'a entendu. Ah, punaise, il m'a touché. Ah, si, non, mais ça suffit! Faites pas attention à moi, hein, je fais que passer. Oh là là, tous les slimes qu'il y a, c'est fou. On va chercher par ici, hein. Bon, c'est pas grave, plus bien une torche.
Je vais pas pouvoir ramasser l'or là. Je vais éviter de me battre contre les gros slimes parce que j'ai flemme. Ça fait perdre vachement de temps. Mais c'est incroyable ça. Il est où l'escalier? Quand même. Ouh là là. Ouh là, il y a du monde ici. Oh la vache. On n'a jamais vu autant de fantômes. Passe quoi là? Je sais pas si j'aurai le temps de faire péter le squelette avant qu'il se relève. Ah bon, on a déjà toi descendre, ça c'est cool. Je prends le fantôme moi. Pour les géodes, on prend, y a pas de problème. Ouais, on a doublement de quoi descendre. Je fais juste un petit check rapide. Ah bah regardez. Du charbon, on esquive. Oh mais y a du monde ici là. Si j'arrive à tous les rassembler et à tous les tuer, ça peut être rentable, mais bon, il faudrait réussir déjà. Allez, venez avec moi les copains. Venez ensemble. Tous ensemble. Allez, on vient. Allez, on vient. Voilà, là on est pas mal. Il y en a qui bouge pas du tout. Hein. Ouh, je sais pas si je pense que ça va aller assez loin. On a de l'essence solaire, je me demande si c'est pas ça qu'il faut donner aux dragons. Hein. Donc il va falloir qu'on teste. Il faudra que j'essaye de remonter plus tôt que hier, du coup. Là, on a quand même attendu vraiment le dernier moment pour remonter. Parce qu'il est fou, hein, j'ai pas le temps. Dépêche-toi, allez, viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens. J'en peux plus. Venez-moi en aide. Merci. Oh, c'est pas trop tôt. Et on refait quand même un bon stock de géodes encore, là. Oh, punaise. Les esquives. Au secours. Je veux pas me battre contre eux, j'ai pas envie. Eh, on s'annonce avant d'arriver, j'ai dit. Y'a quoi que tu comprends pas là-dedans? Wow, je me suis trompée de bouton, je panique. On va y arriver. Attends, hop. Très bien. Alors, petit check rapide, mais je pense pas que... Oh non, à chaque fois, on a trouvé l'iridium assez loin. Hein. Je crois que je regarde sur le wiki s'il n'y a pas un étage particulier où on a plus de chances de le trouver, parce que... Dans les premiers étages, j'en trouve jamais. Ah, ben, on a de quoi descendre. Attendez. Hop, salut. Voilà. Hop. On va y arriver. Voilà. Moi, je vais juste récupérer ça. Voilà. Le reste, on s'en tape, en fait, tout simplement. Bon, ils se sont tous relevés, c'est un peu la misère, on va y arriver. Oh punaise, c'est la mort. Je l'ai entendu, il est où, il est là. Voilà, ils vont tous venir vers moi, il n'y a pas de souci les gars, venez, on se bat, il n'y a aucun problème. On se bat, je vous fais péter, il n'y a pas de souci. Voilà, il y en a un troisième qui est, enfin un autre qui restait là-haut, mais c'est pas bien grave. On va essayer de survivre. Il est un peu bête, donc ça va. Bon, mais il va venir, hein, sans doute. Je vais pas le faire péter, se gâcher une grosse bombe juste pour lui, j'ai pas envie. Par contre, c'est incroyable, là. Ah, quand même. Ah, un petit téléporteur, ça c'est plutôt cool. Faut que je fasse gaffe à l'heure. Que je puisse donner. Ah, je vais me le mettre là pour que je le vois. Ça, je vais donner ça au dragon. Ok, il y a du monde ici. Oh.
Oh là là, mais c'est la misère. Vous avez pas de l'iridium à me donner? Ah. Puis de demander. Bon, c'est pas suffisant, mais bon. Il suffit de demander. Je vais manger un coup pour être sûre. En plus, ça me fait aller plus vite ce plat, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Bon, la galère, la galère. Je vais redescendre. Doublement d'ailleurs. On va remanger un petit coup. Hop. Ah, il y en a un petit là. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai l'impression toujours à partir d'étage 20 qu'on en trouve, hein, de l'iridium. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais à chaque fois, ça me fait cet effet-là. Hein. Comment elle court super vite, j'aime trop. Hop, on va descendre, il n'y avait rien. Hop, on se casse. Bon, on va chercher ici. J'essaie d'aller dans un étage supplémentaire. Après, j'arrêterai. Parce que sinon, je suis vraiment dans la merde par rapport aux horaires pour le dragon et tout et tout. Il faut que je donne à manger au dragon et que je rentre à la maison. Au pire, pour rentrer, j'ai le téléporteur. Mais je pense que carrément, je vais utiliser le téléporteur pour rentrer de toute façon. Hop, on l'esquive, on repart. Il n'y a rien du tout. Non, mais eh oh! Incroyable. Ah non, mais vraiment, c'est incroyable. J'ai pas de chance. Non, mais c'est une blague. C'est grave, là. Je descends vite fait, je regarde s'il y a de l'iridium et puis je me tire. Et j'essaie de pas mourir aussi. Je crois qu'il y en a un autre qui est en train d'arriver. Non? Non, c'est bon. Bon. On se crasse. On va aller voir le dragon. J'espère que c'est bien ça. Je vois que ça, de toute façon. Ouais, c'est ça. Vous dépensez l'essence dans la gueule du dragon. C'est seulement à ce moment-là que vous remarquez les notes cachées dans l'orbite de son œil. Tu as fait tes preuves. Fouille dans le tas de bois près de ta maison. Tas de bois près de ma maison? Il y a un tas de bois près de ma maison? Non, c'est pas grave, on rentre. On verra après. Le tas de bois qui est là? Ah, sans doute le tas de bois qui est là. Ah, mais attendez, moi j'ai tout qui est posé dessus, moi. Qu'est-ce que c'est? Sous un morceau de bois, vous avez trouvé carte du club. Vous ne savez pas à quoi ça sert, mais ça a l'air important. L'objet a été ajouté à ton portefeuille. Ah, ça doit être dans le truc du désert, là. On y retourne demain, de toute façon, dans le désert. Je peux pas poser ici, c'est dommage. Je vais poser là, tant pis. Et lui, bah, voilà. Ok, alors j'ai plein de trucs. Je sais pas si je peux m'en débarrasser tout de suite. Ah, j'ai pas fait les betteraves. Si, j'ai fait les betteraves. Bah si, j'ai fait, je suis bête, c'est bon. Donc ça, c'est bon, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, je garde.
Ça, je vais garder. Ça, je vais vendre. Je sais plus si j'avais de l'améthyste. Oui, j'en ai. Mais c'était de l'opale et de la jade qui me manquaient. Donc ça peut être vendu aussi, il n'y a aucun problème. Ça, pareil. Et puis le reste, bah, on va le garder, hein. Ah, je peux refaire un lingot. Nous en manquera deux. Pas mal. Oh, j'ai toujours une qui attend une carotte des cavernes, la pauvre. Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration pendant la journée? Non. Peut-être demain matin. Comment ça, boudoum? Nouveau succès millionnaire, hein? Parce que j'ai eu un total de gains de 1 million. Je suis riche. Alors, liseuse de bonne aventure, qu'est-ce qu'elle me raconte? Petit peu de chance en plus aujourd'hui. Bah écoutez, on prend, hein. Ah, là, j'ai du fromage qui vaut cher, là. Je vais aller juste rechercher mon fromage normal. Je vais garder celui-là. Alors, on va mettre. Je sais pas, attends, combien j'en ai pris? Si. Bah, écoute, on va mettre celui-là. Et il y avait lui. Voilà. Là, je garde quand même le fromage comme ça. Bon, bien sûr, celui-là, je vais le vendre, hein. Voilà. Ça fera toujours du bien. Là-dedans. Ah, c'est... Ah, il me faut la faux. Chercher la faux. La marrante, c'était encore pour une quête de marmite, hein. Ouais, donc il faut de la marrante. Elle veut de la marrante et... Je sais plus. Oui. Les mettre dans les tonneaux au fond de la cave, ça fait augmenter leur niveau d'étoile, donc leur valeur. Donc du coup, je peux les vendre plus cher. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ça prend quand même un peu de temps, mais c'est sympa. Bon, je vais peut-être aller voir Marnie cette fois. La pauvre, depuis le temps qu'elle attend mes trucs. Attendez, je vais mettre ça là-dedans. Je suis très contente, on en a plein. Voilà. Et ouais, je pense qu'on va aller prendre le temps d'aller voir Marnie. Bon, là, il n'y a rien de plus à récolter. Il faudra que je plante un peu plus à la rigueur. Mais passe! Voilà. On va récolter ces machins-là. Voilà, on va retourner là-dedans. Alors, attendez, je fais un petit peu de place. Non, c'est pas... Oh bah oui, j'ai pas vu qu'il me restait plein de lait là-dedans encore. Attends, je vais en prendre celui-là. Voilà. Ah, il y a des trucs à récolter par là aussi. Ça, c'est pas mal. Est-ce que là-dedans, c'est toujours au point mort? Ouais, c'est pas encore prêt. Tac. Ensuite, alors, je vais vendre et ça. Je regarde. Ça, je vais garder, hein. Je vais lui donner à Marnie. Voilà, on a plein de trucs qui sont prêts. La marrante, elle en veut que un. Hein, donc, autant je peux mettre ça. Je vais mettre les trucs de la marrante. Et puis la canneberge. Comme ça. Hop.
Non, je mange pas d'amarante. Voilà. Comme ça, je range ça ici. J'ai encore l'amarante à lui donner. J'ai encore ma carotte des cavernes. On est bien. Je vais faire un petit tour chez les coin-coin. Bien le bonjour. Pousse, 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 pousse. Alors, j'ai toujours pas donné mon œuf. J'en ai marre. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je vais être dans le désert le plus tôt possible. Vous avez vu le temps qu'on met à trouver un truc à chaque fois, c'est chiant. Alors, attendez. On va faire ça prudemment. Lui. Voilà, on en donne un et après on l'enlève. Comme d'hab. Ensuite, on a ici. Ici. Non, tu ne mangeras pas le gros œuf. Tu vas faire ça. Ça. Et ça. Et puis ça, et ça, tu ramasses. On a des trucs qui traînent là-dedans. Non. On est bon. Désolée les bestiaux, je ne vais pas trop vous voir en ce moment. Je fais que des allers-retours. Si j'allais pas à pied, ouais. Allez, on va à pied chez Marnie pour lui donner sa carotte et son bouquet de machin là. C'est quoi? Ah, j'ai une cinématique. Ah, tu m'as rapporté de la carotte des cavernes. Merci beaucoup, Madame Ténébie. Ça a l'air très bon. J'ai presque envie de la manger moi-même. Presque. J'espère que cela ne t'a pas causé trop de soucis. Je t'en suis très reconnaissante. T'es devenue ma copine. Mais, oh, punaise, elle est où? Du coup, Marnie... ouais, je suis à 5 heures avec elle quand même. Hein. Ah, punaise, elle est là-bas. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a fait une des deux quêtes. Alors attendez, est-ce que j'étais... Ouais, j'avais des machins qui traînaient là. Hop. Voilà. Je vais vendre un petit peu tout ce qui traîne. Le fromage, il faut que je le range. Hein. Tac. Tac. Non, Marnie, elle se romance pas, il me semble. Il me semble pas qu'elle se romance, Marnie. C'est ce, voilà, ce où c'est écrit célibataire que je peux romancer. Donc tous ceux que j'ai complètement zappés. Quoique je crois que le fait d'être marié avec quelqu'un, ça remet à zéro les... Ou ça fait baisser l'amitié avec certains persos. Je sais plus, faudrait que je me renseigne s'il n'y a pas une histoire comme ça. Hop, ça on pose. Donc celui-là on va le garder. Celui-là on va le poser. Voilà. Alors je vais remettre tout. Alors je vais garder juste ça dans le coin. Voilà. On va faire la bouffe, les bombes. Un petit peu de bouffe encore. Voilà. Pense que je vais prendre mon temps aujourd'hui. Je vais aller attendre midi, donner mon truc à Gus. On va aller dans le désert, mais on va aller voir ce qui se passe avec le ticket là, si j'ai accès à une nouvelle zone. Et puis au pire, on remettra à demain pour le l'Iridium. Alors Marnie, est-ce qu'elle est toujours là-dedans? Ouais. Ouais, elle est là. Oh, la marrante que je voulais, merci beaucoup, mais va, je vais se régaler. Ça fait juste un an que tu m'as demandé, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est ma plus vieille quête, la pauvre. En parlant de quête, nous sommes lundi. Donc, en étant lundi, nous avons normalement une nouvelle quête de disponible. Yes. Alors, les cristaux, on est toujours en cours. Et tuer les vers. Non, j'ai pas envie. Je verrai plus tard. Occupé. Et pour les pierres précieuses, c'est toujours en cours, malheureusement. Je peux toujours pas rentrer, hein.
Waouh. Waouh. Allez. Hop. Et hop. J'en ai marre. Tout ça pour un œuf en plus, hein. Voilà. Bon, direction le désert. On va aller voir si c'est le ticket sert bien à aller voir l'espèce de vigile qui est derrière. Je suppose que c'est ça. Pas si j'ai plus de description. Non, mais je pense que c'est ça, hein, carte du club. Le seul endroit où il y avait une espèce de vigile où il pourrait présenter quelque chose pour rentrer, ce serait là. Hein. Il n'y a pas 36 000 trucs différents. Allez, on y go! En profiter pour ramasser ces trucs-là, ça fera toujours des sous en plus. Bon, même si je suis pas à plaindre, là j'ai plein de sous puis j'achète rien en ce moment, vu que je suis concentrée sur ma quête du bateau. Ah, dis-moi, est-ce que tu vends des trucs qui pourraient m'intéresser, toi? T-shirt rouge. Vas-y, je m'achète un vêtement, je l'ai jamais fait encore dans le jeu. Voilà, j'ai changé de tenue. Je me suis fait toute belle pour aller voir le vigile. Est-ce que c'est une carte du club? Oui. Oh, il a explosé le gars. C'est un casino! Hey, tu veux pas que je suis occupée? Je travaille, moi. Ouais. Attends. Monsieur qui? Ravi de faire enfin ta connaissance. Bienvenue dans mon club privé. C'est tout? Tu as une étincelle en toi, c'est pour ça que je t'ai choisi. D'accord. Il faut que je fasse quoi? Parce que je vois, j'ai une jauge là-haut, là, c'est de la thune. Calico Jack. C'est quoi le jeu? S'approcher le plus possible de 21. Ah ok, ouais, c'est un blackjack quoi. Je suis très nulle à ça. Bon écoutez, on va essayer au pif. La mise est fixée à 100 pièces. On n'avait pas assez de pièces. Ah, c'est des pièces comme ça qu'il faut. Très bien. Je peux pas lui parler à elle? Je voulais lui parler. Non. Les statues de la fortune sans fin à vendre seulement 1 million de PO. T'es malade, toi. Pas mon jour de chance, j'ai trop bu. Très bien. Ça, c'est un autre jeu. Gros joueur. Ok. Et la route, c'est quoi? Ah, c'est pour faire des... Il me manque lui, je l'ai pas lui. Faut qu'on économise 10 000. Même plus, j'ai jamais compris les règles. Par contre, ça c'est quoi? C'est une machine à sous? Ça, j'aime bien ça. Ça, on aime bien. On va faire la machine à sous. Ah, je suppose que si t'as de la chance, t'as plus de chances de gagner, non? On va essayer. Alors, on va tout miser. Pas de chance aujourd'hui. Moins. Ok, bah je reviendrai un jour dépenser tout mon fric là-dedans. C'est juste pour voir à quoi ça ressemblait. Pauvre petite chose brûlée. Non mais t'inquiète. Mais c'est pas mal, c'est sympa. Moi j'aime bien les casinos dans les jeux, hein. Vous l'aviez vu sur Dragon Quest. On peut déjà descendre, ça c'est super. Le truc du blackjack, j'ai jamais vraiment compris non plus ce genre de jeu. Je suis très nulle moi de son sur ce genre de jeu là. C'est pour ça que j'aime bien les machines à sous. Comme ça, moi je sais que bah faut juste appuyer sur un bouton. Et puis ça fait tout seul, tu vois. C'est pareil, j'ai joué que une seule fois au poker de toute ma vie. J'ai rien compris. J'ai réussi à gagner. J'ai rien compris.
pense qu'on va appeler ça la chance du débutant. C'est pas du tout des jeux qui m'attirent. On va y arriver, on va y arriver, je veux pas mourir. On va pas réussir à descendre là, non mais c'est chaud. Attendez. Ah, je vends juste le petit café. Voilà. Et je descends. Ah! Non mais hé! On va se calmer, hein! De bon matin, m'agresser comme ça, je viens de boire mon café, on se calme les gars. Il y a l'autre qui me suit là. Bon allez, j'en ai marre. Rien du tout. Oh là là. Où est-ce que je pourrais en mettre une? Ça pourrait être sympa, tu viens en mettre une là. Rien non plus. Non mais c'est chaud quand même. Oh punaise. Ah, je vais avoir le slime là. Ouais, ça va être pour moi. Ok, attendez. Je l'ai un petit peu tapé, mais je peux quand même me casser. Hein. On n'est pas obligé de le taper jusqu'au bout. Hein. Très bien. Bon, je pense pas que je vais réussir à trouver grand chose, hein, vu l'heure à laquelle on est arrivé. Ah. Ça, par contre, il m'en fallait. Donc, je suis contente. De petits rubis, là, ça fait toujours plaisir. Le jeu, il est pas franchement sympa avec moi en ce moment. Hein. Une petite bombe là. Ah bah j'ai trouvé un iridium. On est où là? 21. On peut peut-être trouver des trucs là. On peut peut-être commencer à être intéressant. Déjà on trouve un fantôme. Et bon, il est tellement lent que bon. Comment dire? Je crois qu'il a abandonné. Même il fait quoi là? Allez, viens! Oh là là! Bon, allez, on va aller le chercher nous-mêmes, ça va aller plus vite. Voilà, allez. Oh, j'ai pas envie de me battre contre eux. Je veux gagner du temps, moi. J'en perds. Yep, salut. Oh là là, non mais là, le jeu est vraiment pas cool avec moi. Hein. Je veux juste de l'iridium pour avoir mon bateau. Allez. Stop. Boum 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 boum. Rien.
Scandaleux. Faut remettre une bombe, hein. Vraiment, j'ai la flemme de miner tout ça, là. Ça me saoule. Quand toutes les pierres sont rassemblées comme ça, c'est assez rentable quand même de mettre des bombes, mais bon. C'est chiant aussi. Alors, attendez. Je vais au moins prendre ça. Voilà. J'ai vu qu'il y avait pas mal de pierres là-haut, donc j'ai peut-être foutu une bombe là-haut. Ce sera plus pratique. Ah, il est déjà 21h dans le jeu, hein. C'est chaud. Hein. Donc j'ai de quoi descendre, je vais juste checker qu'il n'y a pas d'iridium ici, si j'arrive à passer. Non, ce n'est pas. J'ai cru lui prendre l'œil, mais non. On reste toujours ça. Bon, je pense que là, on va gratter jusqu'au bout et on ira se téléporter. Quitte à ne rien mettre en vente et à rentrer directement pour aller dormir. Embêté. Mais là trop, j'en ai marre des monstres. Oui, flemme. Bah, attendez, on va mettre une bombe ici. Ça, on aura tué qu'un. Mais ça m'a même pas donné de quoi descendre. Hein. C'est chaud. Hein. Bah oui, je l'entends. Oui, on l'entend. T'inquiète pas qu'on l'entend. Mais c'est fou. Ça, comment? Ah, quand même! Il est 22h30. Bon, on va s'arrêter, hein. Hop, je m'occupe du fantôme, là, et puis je fais le tour vite fait de cet étage, mais on va rentrer, parce que là, ça craint, quoi, au niveau des horaires. Bon, par contre, le fantôme qui recule, là! S'il te plaît! Ça rend fou ce farming d'iridium, j'en peux plus. Là, on a quoi? Rien. Là, il n'y a rien non plus. Et là-haut, il n'y a rien non plus. Est-ce que je gratte un petit peu juste pour voir l'échelle là, s'il n'y a pas quelque chose? Juste pour voir. Oh, finesse. Allez, allez, hop, c'est bon. Ça m'a saoulé. Je fais pas le temps. Ah, j'en peux plus. Bon, on en a trouvé un. Waouh, par contre là, je vais pleurer quand je vais aller ouvrir les géodes. Peut-être aller faire ça demain, plutôt que de retourner dans la mine. Ça dépendra de mon jour de chance. En fonction de ce qu'il me dit, on verra. Mais là, pff. Alors, je voulais juste voir, à ce niveau-là, j'ai obtenu... Tac, alors qu'est-ce qui me manquait Où est mon téléphone? Il est là-bas. Vous avez la quête de Emily, là, qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas acceptée, parce qu'elle voulait des cristaux ou je ne sais quoi. Tac, 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 tac. Attendez, c'est Emily, hein. Alors, attendez, Stardew Valley, je vais voir sur le bouquet, hein. Parce que je sais qu'il fallait ça, ça, ça et ça, mais j'ai l'impression qu'il m'en manque un. Hein. Alors, rubis, j'ai, topaz, j'ai, émeraude, j'ai, jade, j'ai, et améthyste, j'ai. Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Donc, bah, demain, on va prendre le temps, on va aller accepter sa quête, et on va aller lui rendre dans la foulée, comme ça, c'est fait. Et moi, je vais vendre tout le reste, là. Tac, 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 tac. De l'huile de truffe, on vend, ça on vend. Et le reste, on va le garder. Hein. Là, là. Ah, mais j'ai des escaliers. Attendez, je les prends pour la prochaine fois. Je l'avais pas vu.
Voilà. Et du coup, pour demain. On est bien. Ça rapporte, hein, quand on les laisse vieillir le fromage. Hein. C'est le truc le plus rentable. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté une deuxième grange d'ailleurs, pour pouvoir faire plus de fromage. Pour le moment, je garde mes sous et puis je verrai pour faire des achats et des améliorations. Ah, on a du fromage qui est prêt là. Bah écoutez, je vais mettre ce fromage là. Voilà, en plus, je fais pas d'aller-retour, j'ai pas envie. Voilà. Bonjour Ténébi, dans une semaine nous organisons la fête de Stardew-Valley sur la place du village. C'est le plus grand événement de l'année, attirant des gens de tout le pays dans notre modeste village. Ah oui, le présentoir. Oh, j'ai la flemme. Dans la description, ça, oh, j'ai la Non. flemme. Et on l'a fait l'année dernière et j'ai pas envie. J'ai rien prévu en fait. Ouais, on est hyper connus dans notre petit village. Petit village qui réalise son corps et toujours pareil, ça. Je vais regarder vite fait ce que ça donnait, mais je crois que c'était pas ouf en plus. Festival, on est en automne. Tac. Et du coup. Ouais, mais je sais plus à quoi ça servait. Après, je sais qu'on avait des petits jetons et tout pour avoir des échanges d'objets, tout ça. Donc on fera peut-être la pêche. Mais je pense qu'on va pas trop s'embêter, hein. J'ai fait une bêtise. Je disais toujours les 5, attendez. Oui, c'est bon. J'ai eu peur. Est-ce que je peux faire le viewer chiant? C'est déjà chiant. Mais je suis pas un viewer. Ouais, il regarde même pas mes streams, vous avez vu. Et après, ça dit me soutenir et tout. Ok, tu l'auras oublié. Quoi? Ténébi, quand est-ce que tu fais un long play de Skyrim en live? Jamais. Et nous, on veut du Skyrim? Non, personne veut ça. Je pourrais pas. Hein. Bon, déjà, en plus, il y a du mal à faire tourner le jeu avec les mods, alors. Bien. En Faites stream, des c'est dons mort. pour remplacer le PC. Non. Le souci, c'est que Stardew Valley est une cité-état, c'est ça? Bah, peut-être, hein, écoute. Allez, je vais mettre ton live en arrière-plan. C'est gentil. T'es abonné, j'espère. Donc, Prime. Ok, d'accord. D'accord. Tu vois ton emote, ton adorable que tu adores. Oui. Hein? Ça nous s'appelle. Non, c'est bon. Ça va aller. T'es sûr? Oui, c'est bon. Quand tu auras la nouvelle carte graphique, tu pourras la faire tourner. Ouais, j'espère que je serai capable de me faire tourner Skyrim modé avec une nouvelle carte graphique, quand même, les gars. Là encore, j'arrive à jouer, hein, mais de temps en temps, je sens quand même que c'est un peu lourd, quoi. Mais pour ça, il faut réussir à choper une nouvelle carte graphique. Et c'est la guerre, hein. Faire ça. Hop, donc ça on a dit on le gardait. Là, on va le garder pour le faire vieillir. Et voilà.
Oh non, franchement, j'ai la flemme de. Je me sentirais pas de faire un jeu long comme ça en stream. Franchement, c'est trop. J'ai pas le temps en fait. J'aurais pas un boulot qui me prend autant de temps, pourquoi pas. Mais là, c'est impossible, c'est ingérable. Continuez de regarder. Super. Mais c'est surtout qu'il me demande de rentrer le numéro de la carte bleue, j'ai peine. Alors, où est-ce qu'il faut que je lui mette ces pierres précieuses là? Je suis donnée? Elle est où, Émilie? Elle est encore chez elle. On va aller voir. Comme ça, je saurais ce que tu fais. Ah oui, bah oui, là, ouais, faut me surveiller, hein, parce que, waouh. Elle est encore dans... Elle est encore dans sa chambre. Ça, hein. Bon, elle va bientôt sortir, je pense. Je pense qu'elle sort vers 10h, les deux sœurs, je sais plus. On avait regardé une fois, mais... C'est quoi ce bruit? Ah, c'est la litière? C'est une flemme. En fait, il y a flemme, t'es en train de faire des conneries sous le meuble, je sais pas ce qui se passe. Allez, sors, Émilie, j'ai des pierres précieuses à te donner. Je vais l'attendre. Ça y est. Tiens. Elle dit pas merci, hein. Mais quand même. Pourquoi elle court? Ah, parce que je l'ai gênée. Non, mais oh. 1000 PO pour ça. Oh là là, non, mais sérieux. Bon, je suis gentille, j'ai fait la quête histoire de la faire une fois, mais c'est la dernière, hein. Même pas m'a dit merci. Mais il n'y a pas la télé ou quelque chose comme ça? J'entends grave du bruit. Hello? Elle a allumé la télé? T'inquiète pas, Spectra, je m'en doutais. Ah, l'autre, elle allume la télé, quoi. Non, non, je me suis trompée. Voilà, on va par là. Allez, pas de café pour cette fois. Bon, c'est pas grave. Allons-y. T'es bruyant. Bon, allez, on descend tout de suite. J'ai envie. Ah ouais, elle est trop forte, Flemme. Hein. Trop forte dans les conneries. Hein. Puis, j'aime pas les slimes, je vous jure. Et dire qu'on peut en adopter dans le jeu, là. J'ai pas encore regardé comment ça se passe, mais j'ai pas envie. Moi, je les aime pas. Ah, il y a un trou, là. T'es bien caché. Hop, on y va. 6 niveaux. C'est pas mal, c'est pas mal. Je voulais ouvrir mes géodes aujourd'hui, je voulais pas venir dans le désert. Bon, c'est pas grave, on les ouvrira demain. Ah, j'ai plus qu'une bombe. Or que j'aille en refaire. Bon allez, on sacrifie la dernière bombe. J'essaie de descendre vers le niveau 20, parce qu'à chaque fois c'était vers là-bas qu'on les trouvait les...
beaucoup d'iridium, donc essayer de descendre. Hein. L'esquive que je lui ai mis à lui là. Ah par contre lui, je vais peut-être pas avoir le choix que de me battre contre lui. C'est chiant. C'est bon. Il a pas fait de petit. Ouais, c'est trop grand. J'ai envie de m'embêter. Voilà, on est niveau 20. Les chauves-souris. Peut-être me les faire. Comme ça, je fais des ailes pour la tour de papillon qui me donne trop envie à chaque fois. Allez, viens. Parfait. Bon, est-ce que je vais finir par trouver quelque chose? Je commence à désespérer, moi. À manger un petit peu. Histoire de se remettre bien. Est-ce que j'entends un machin qui arrive, là? Oui, il est là. Ah, il y en a même deux. Si c'était pas suffisant. Bon, y a rien, hein, on est d'accord. Encore une fois. Hop, très bien. Faut pas me plaindre. Ah, de l'iridium. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, par contre, il y a des slimes autour, c'est un peu chiant de devoir se les faire. Allez, 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 allez. Super. Bon, je vais le ramasser, tant qu'à faire. J'ai encore de la place. Oui, mais bien. Bon, j'ai de quoi descendre ici. Je vais me faire attaquer direct. On se calme, hein. Là, il y a de l'or. Ce que je ramasse. Ouais, allez, on va ramasser un petit peu l'or. Juste les 4 qui sont là. Je vais pas faire toute la zone. Et on va redescendre. Mais vous êtes partout, vous, hein. Oh, punaise. Ah, il y a de l'iridium. J'allais me barrer, mais non, il y a de l'iridium. Oh, il y a une pierre bizarre, là. Mais tu fais quoi? Mais il fait quoi, lui? Mais... Ah, punaise, c'est pas de l'iridium. Je suis dégoûtée. Je te déteste. Est-ce que ça... Ah, ça donne de l'iridium, ouais. Je me suis posé la question. Ah, ben voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà, ouais, je suis pas sur le bon outil. Et j'ai peur de mourir. Alors que je me renourrisse là. On va manger un coup. Hop. Et du diamant. Ah. Eh ben je crois qu'on était bon, nous en manquait deux, non? On va rentrer. Comme ça, j'économise mon téléporteur en plus. Mais il me semble qu'il m'en manquait que deux. Au pire, on reviendra, mais je crois que c'était tout bon là. Du coup, on va pouvoir recommencer à taper le bois dur quand on a arrêté de le faire. Mais il nous en faut quand même 200. On en a 95, je crois. Je sais plus. Quelque chose comme ça. Je crois que pour l'iridium, on est bon. Cheval se demande où vous êtes parti, mais tout va bien. Charbon.
Charbon, j'ai dit. Hop. Nickel, c'est bon, on a ce qu'il faut. Alors, je vais pouvoir reposer. Ça, je vais le mettre ici plutôt. Demain, je vais mettre les géodes là pour penser à les ouvrir demain. On va faire que ça. Ça va nous prendre du temps, je pense. Tac, tac, tac. Tout ça, on va pouvoir le vendre. Hop, je vais reprendre mon bois dur et ma hache. Comme ça, je vois où on en est. Je vais... Alors, attends. Tac. Oh, ben regardez, là aussi, on est bien. C'est une bonne journée, ça. Voilà. Et du coup, on va s'attaquer au bois dur. J'avais été voir là-dedans ce que ça donnait. Ouais, c'est pas bon. Et il y en a plein des petits champignons violets là. Je vais tous les ramasser aussi. J'en vais celui-là, ce qui me stresse être ici. Les champignons là, il y en a plein, ça passe quoi? Mais tourne-toi. Là, il ne manquera vraiment plus que le bois dur pour faire le bateau. Donc on pourra à la fin du stream, je pense, voir en tout cas ce que donne la nouvelle zone. Je sais pas si on pourra l'explorer en entier, je sais pas comment ça se passe du tout. Mais on va pouvoir y aller normalement. Hein. Parce que le bois dur, c'est pas ce qui va mettre le plus de temps. Hein. C'est pour ça que je termine par ça d'ailleurs. Donc si je réussis pas ce soir, je réussis demain pour le bois dur. Par contre, attendez, parce que là, il y a des saloperies là. Voilà. Je vais remettre ça ici. Demain, sans souci, je pense qu'on devrait y arriver. Ou peut-être après-demain, je sais plus. Non, on est bien, on a fait plus de la moitié. Donc on aura largement le temps de reconstruire le bateau avant la fin du stream. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Machin là, voilà. Bon, ça aussi, on débarrasse un petit peu. Je vais garder un peu la graine d'acajou. Ça, on va vendre. Ça aussi. Allez, ça dégage aussi. Je regarde un petit peu ce que j'ai là. Maintenant, c'est bon. Allez, tout bon. Ah oui. Donc, toujours pas d'enfant. On en avait parlé, mais je sais pas, ça met combien de temps avant de. D'avoir le gamin. Oh, comment ça se passe? Tac, au dodo. Ouais, c'est ça, c'est pas facile. Non, je veux te parler. Ah! J'ai rempli le dossier d'adoption. Ah, punaise, t'as mis du temps. Ça fait une semaine que tu m'as dit que tu voulais l'adopter. Ça prend que maintenant. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts et attendre. Un petit bisou.
Les trucs qui sont prêts, non. Merci encore pour ces merveilleuses pierres précieuses. Bah, il était temps que tu me remercies quand même. Celles-ci seront parfaites pour mon travail de réalignement énergétique. Je voulais te remercier avec ce cadeau spécial. J'espère que tu pourras créer de merveilleux objets avec ça. Oh, j'ai la machine à coudre. J'ai même plus besoin d'aller chez elle pour pouvoir crafter des vêtements. Ça, c'est cool. Je vais la mettre, je sais pas, genre dans la chambre. Là, ça peut être pas mal. On va la mettre là en attendant. Et du coup, ouais, je peux crafter des fringues. Trop bien. Surtout que j'ai magasiné pas mal de tissus, donc c'est cool. Bon, je vous avoue, les animaux, je vous ai un petit peu ignoré ces derniers jours. Il va y avoir une tonne de trucs à ramasser là-dedans, là. Mais bon, c'était pas la bonne cause. J'avais besoin de cet iridium, j'en pouvais plus. Tac, tac. On va mettre ça comme ça. Voilà. On a ouvert les géodes aujourd'hui. Oh, ils ont plus rien à bouffer. Ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Je vais m'en occuper tout de suite. Je récupère ça, ça et ça. Je vais leur mettre un petit peu de gazon là pour qu'ils puissent manger. Voilà. Tac. Je vais couper un peu tout ça. J'avais laissé de toute façon volontairement se reproduire pour pouvoir en avoir plein. Je passe en mode pondeuse là. On va faire pareil chez les poulets. On va leur... Attends, je vais enlever ce truc là parce que ça va être chiant. On va leur mettre un petit peu. Voilà. Et du coup, faut que je remette moi manuellement. J'ai l'impression que la machine ne le fait pas toute seule. C'est que le matin que ça s'active. Donc il va falloir qu'on y pense pour les vaches. On va y retourner tout de suite avant d'oublier. Hop, juste on fait ça. Si j'ai encore des yeux un peu spéciaux comme ça. Voilà. Hop, le reste. Non, le reste là-dedans. On va leur donner à manger aux petites vaches. Voilà. Oh. Attendez, on va faire un petit ban. Voilà. J'en ai plein des bots en ce moment sur la chaîne. J'en avais pas depuis plusieurs mois, voire même un an. Et là, en ce moment, ça revient à fond. C'est chiant. Alors, tac. Il y a vraiment des gens qui tombent dans le panneau et qui essayent d'avoir des followers avec des bots comme ça à la con. Franchement. Je sais pas ce que c'était. C'était un, sans doute un chat, je dirais bien flemme. Faire une pause, voilà, on va reposer aussi ça. Et ça, parce qu'on va plus retourner pour le moment là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait tomber? Non, rien a fait tomber. Ah, ok. Si, si, elle a fait tomber un truc, hein. Ah. Non, on lui a éteint la télé. Elle la regardait pas, la télé, hein. Elle l'a allumée, puis après, elle est partie jouer sous un meuble, hein. C'est ça.
Elle m'a fait trop de conneries. Mais c'est pareil, un soir comme ça, elle nous avait allumé la télé, c'était sur un film qui faisait vachement de bruit, je sais pas si tu te souviens. Avec des explosions et tout. On était déjà au lit. Et j'ai eu trop peur. Waouh. Elle chouine. Alors on en est à 149. Ça avance. Je vais profiter d'être là pour acheter une chèvre supplémentaire. Oh, j'ai encore de la place là-dedans, ouais. Comment je l'appelle ma chèvre ? Je sais pas moi. Comment j'appelle ma chèvre ? T'as un pseudo à me donner ? Ah, je crois que j'ai pas à donner Kitsu. On va l'appeler Kitsu. Voilà. Ça y est. On va pas prendre 30 ans non plus là-dessus. Mais pourquoi elle chouine comme ça là ? Qu'est-ce qu'elle a encore ? Je vais ramasser ça aussi, tant qu'à faire, il y en a plein. Aller à celui-là ou pas? Oui. Mon cœur, elle a fait une bêtise. Tu peux aller voir ou pas? C'est dans la cuisine, j'entends un gros bruit, je sais pas ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qui était au-dessus du frigo? Oh là là, mais vraiment une chute. En fait, elle était montée en haut du frigo. Et depuis tout à l'heure, elle nous appelait pour nous dire, regardez, je fais une bêtise. C'est ça, hein? Elle est terrible. Elle n'a pas fait tomber le cactus. Hein? Non? Chieuse. C'est une chieuse. Je ramasse tout ce qui traîne, hein, ça fera toujours des sous en plus. Allez, je vais les vendre ces machins-là. Hop. Voilà. Allez, opération ouverture de géode. Vous allez voir que je vais avoir plein de... Comment ça s'appelle ? D'iridium dedans. Encore ? Toute ta tête, c'est bon. Elle l'a vu. Là. Un papillon. Aide-la à le choper au pire. Aide-la, porte-la, aide-la. Une espèce de papillon de nuit, elle veut le choper, mais elle n'y arrive pas. Bah porte-la, aide-la. Je crois que je faisais comment avec Mocha, moi, avant. Je le portais, je le menais au mur et puis il attrapait les moustiques, il était content. Je vais peut-être pas avoir assez de place, par contre, je dois peut-être devoir faire des allers-retours. Elle y arrive pas? Non. Trop petite. Elle le veut, hein. Regarde, mais j'ai pas de mouchoir en plus pour t'aider. On est mort. Elle l'a pas vu, c'est bon. Bébé ?
T'as vu une petite pépette? Il est où? Ma petite pépette? Elle le cherche. Oh, il s'est envolé. Ma petite bébête? Ma petite chérie, elle avait une petite bébête, la peau. Oh non, regarde, elle était debout sur les pattes arrière. Oh non, je suis foutue. Faut qu'il arrête de voler, ce con. Bah oui. Oh mon dieu. Oh non. Là, tôt ou tard, je pourrais pas l'avoir. Non, regarde là. Regarde, vous soyez pas taillé. Alors, si vous entendez des gros bruits, c'est Flemme qui pète tout dans le bureau pour essayer de choper un papillon. Hein. J'ai déjà donné celui-là, ouais. Là, s'il y a des trucs nouveaux, j'ai pas fait gaffe. Pas l'impression. J'ai quand même trouvé de quoi faire un lingot. Hein. Et je vais manquer de place, je vais devoir faire un aller-retour. Enfin, on y retournera le lendemain parce que là, vu l'heure qu'il est, ça sert à rien. Ah, je l'ai donné ça? Ah, j'ai jamais donné ça. Cool. On a eu un nouveau truc. Ça, c'est cool. On y retournera demain. Je vais te gouiner, t'interdire l'accès au bureau. Mais non, faut la comprendre. Essaye de pas tomber, hein. Enlève-le, hein. Genre, ne laisse pas se prendre voler. Il n'y en a plus, Flemme, il n'y a plus, il est parti. Il est parti, le papillon. Il est plus là. Bon. Mais elle était quand même. Bah parce qu'elle pense qu'il est toujours là. Elle est un peu bête, hein. Ah, ça, on peut vite les ramasser. Voilà. Hop. Mais tu vas te taire? J'aurais pu faire ça aussi. Ah oui, je vais poser le lingot là, parce qu'on aura besoin avec les piles. Et vu l'heure qu'il est, bon bah ça sert à rien de se lancer dans autre chose. Je vais faire un petit coucou à notre nouvelle biquette, voilà. Du coup, je vais remettre un truc à manger, je pense. Oui, je sais, il n'y a plus à manger. C'est pas contente. Voilà. Ça fait quand même bien une semaine qu'on avait ce papillon qui traînait dans l'appart. C'est la première fois qu'elle le remarque. Hein. Il est plus là, hein. Il est parti. Oh, il va pas tenir longtemps là, le petit arbre à chat, mon cœur. Il est en train de pencher de plus en plus, regarde. On t'en rachètera un tout beau plus tard. Tu veux pas de bébé? Tu veux pas de bébé? Oh, elle m'a donné une petite fleur. Je vais lui rendre. Voilà, elle est contente.
Mais poussez-vous, mais c'est fou ça. Ah oula, on a plein de trucs qui sont prêts, donc je vais d'avance chercher du fromage et puis du vin. Voilà, comme ça on remettra tout. Donc en priorité le vin. C'est pas souvent que j'arrive à en avoir. Ensuite tout le fromage doré. Parce que ça c'est toujours cool, ça va plus vite. Oh, je vais me faire plein de sous aujourd'hui. Hein. Et on va mettre... Oh, là, non. On va mettre lui. Voilà. Il est parti, le... Elle va être en toute la journée, hein, elle va me bloquer dessus. Quel enfer, au secours. Ah, on a du raisin. Attendez, je vais faire un tour. Parce que j'ai encore d'autres trucs à récolter. Et ça aussi. Pas beaucoup fait de plantation, mais je me dis, plus j'avance dans le jeu, bah, plus je me dirige surtout vers la fabrication de fromage et de vin, en fait. Donc là, il y a Fekra qui dit qu'on a volé le jouet de flemme. Il ne répond pas, il est dans son jeu. Oui, c'est la famille que je passe. Je vais trouver un peu aussi. Tu peux pas être ta babysitter 24h/24. Hein? Bah si, t'es ton bébé, faut que tu t'occupes d'elle. Attends, un peu fromage, le maïs normal, l'aubergine normale, et puis bah, le raisin normal. Voilà. On garde vraiment ce trait de qualité. Arrête de t'énerver, mon cœur, s'il te plaît. Je veux bien ne pas m'énerver. Et une âme toutes les 5 minutes. Elle est chiante. Oui, ben, bon, pour arrêter. On se trouve bien, la petite. Mais si, elle est mignonne. Continue d'être une peste. Oui, c'est pas une peste. C'est un bébé. Non, à son âge, c'est une peste. C'est un bébé. À son âge, c'est une peste. Elle a 6 mois aujourd'hui, c'est son mois anniversaire, elle peut faire ce qu'elle veut. Voilà, il y a plein de slime là. Oh. Bon, est-ce que ça va suffire, vous pensez? Il va m'attaquer lui là. Je t'ai vu, je t'ai vu. Oui, c'est bon, ça devrait le faire. Ah, quoique, il va peut-être nous en manquer un. L'enfer. Ah, j'en étais sûre. Regardez, il nous en manque un. C'est grave, hein. Après, je crois que j'ai des chances de trouver du bois dur sur les bois normaux maintenant, non? Je sais plus. J'avais pas pris ce truc là? Si. Bah écoutez, on va couper des arbres. Parce qu'il manque vraiment un bois dur, quoi. C'est aujourd'hui qu'il y a mis le feu à l'appart. Non, pas encore. Là, on a fait... Enfin, Kitty a fermé la porte du bureau. Et en fait, au bureau, nous, on a une fenêtre qui mène au salon. Donc, on peut voir le salon. Et du coup, elle est assise à la fenêtre. Elle a le cœur brisé, je suis sûre. Voilà, c'est bon, j'ai mon bois dur. Donc on va pouvoir aller au bateau de Willy tout de suite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais juste aller poser ça là-dedans. Alors, je vais garder le raisin. Par contre, on va poser le maïs.
Voilà, le reste on garde, c'est bon. Donc là, on va aller voir Willy, puis après, au retour, on ira peut-être ouvrir des géodes. Quoique, si on peut partir tout de suite avec le bateau... Ouh, j'ai oublié les trucs. Si on peut partir tout de suite avec le bateau, on peut peut-être le faire, je sais pas. Juste pour voir, en fait, à quoi ça ressemble. Plus curieuse. Attendez, il y a le train. On va voir s'il a fait tomber des trucs. Il y a le train qui est en train de passer, mais on peut pas le voir à cause de la cinématique. Ah, Tenebi, je t'attendais. On voit juste sa fumée. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'étais mariée autrefois? Ou alors c'est un train fantôme qui vient de passer? Imaginable, je sais. Un homme comme moi. Mais c'est la vérité. Ma femme et moi étions ensemble depuis de nombreuses années jusqu'à ce que je commette une erreur qui l'a poussée à partir. Sa colère et sa jalousie étaient si intenses qu'elle est devenue toute verte et s'est mise à voler au-dessus de la campagne, maudissant tout sur son passage. La petite sorcière qu'on a vue! Quand j'ai découvert ça, j'ai caché le chemin en direction de sa maison. Je craignais qu'un villageois innocent ne devienne victime de sa magie noire. Mais maintenant, je dois défaire mon enchantement, car quand nous nous sommes séparés, elle a pris mon encre magique. J'ai besoin de cette encre magique. J'irai bien chercher mon encre moi-même, mais je ne peux pas la revoir. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Je me transforme en crapaud, tu veux que j'y aille? Afin de pouvoir trouver le chemin qui mène à sa maison, tu auras besoin d'un talisman noir. Parle à Crobus dans les égouts, il devrait savoir où en trouver un. Je compte sur toi, si tu retrouves mon encre magique, je te le revaudrai. Tu peux partir maintenant. Ouais, c'est ça. Hein. Non mais oh, et... Ah, regardez-les là. Donc du coup, ça a fait tout bugger le train. Il a rien laissé tomber, j'ai l'impression, encore une fois. Bon, on en a des trucs à faire au final. Là, on a débloqué plein de trucs. Parce que là, du coup, on va voir la nouvelle île avec une nouvelle zone. Je sais pas si c'est juste une zone ou s'il y a plusieurs zones dans l'île. Je me suis pas trop renseignée. On va avoir donc là, cette histoire de la cabane de la sorcière. Là, donc il faudra qu'on aille dans les égouts. Donc on a encore pas mal de trucs à faire, hein. On va peut-être mourir face à la sorcière. On verra bien. Elle n'a pas l'air très gentille hein, quand même. Hein. Hello, coucou, c'est moi. Alors, les piles, c'est bon. Le bois dur, c'est bon. Le lingot, c'est bon. Tous les matériaux ont été trouvés. Le bateau sera réparé pendant la nuit. Ok, donc on ira demain. Donc on peut aller dans les égouts. On va aller faire ça tout de suite. Ok, encore vachement de trucs à faire. Hein. Contente. Je pense le cheval. Attendez, hop, il a bugué. Oui, il est à pied. Bonjour. De quoi? Tu cherches un talisman noir? Maintenant que tu m'en parles, j'en avais un en possession il n'y a pas si longtemps.
Malheureusement, je l'ai perdu en explorant ce tunnel dans le coin le plus éloigné là-bas. Les choses ont commencé à chauffer là-dedans, alors je suis partie en vitesse et j'ai scellé l'entrée. Mais tu sembles plutôt robuste, alors je vais t'ouvrir. Fais attention à toi, d'accord? Pardon. Bon. On va jeter un œil, mais j'ai rien pour me soigner à part deux noisettes et un champignon. Donc on va peut-être pas y aller forcément aujourd'hui. On va juste regarder à quoi ça ressemble. C'est plutôt joli, je m'attendais à pire. C'est quoi, c'est des œufs ça? Pas trop ce que c'est. On regarde hein, pour le moment, ça a l'air d'aller. Je pense qu'il va bien y avoir un truc qui va nous tomber sur le coin de la tête dans pas longtemps, mais pour le moment ça se passe plutôt pas mal. Ah, il est là le pot. Bah, c'est bon, là c'est recouvert de bave de slime. Attendez, moi je prends hein. J'ai eu ça aussi, de la soupe aux algues. Ah! C'est le bestiole qui vole. Je vous aime pas, vous. Eh, c'est un bon endroit pour farmer la viande d'insectes ici. Hein. C'est pas difficile d'accès. Plutôt cool. Alors maintenant, je vais récupérer le talisman. Ce que je fais, j'y vais. J'ai l'impression que je peux y aller direct, ouais. Donc après, cette heure-ci, ça vaut peut-être pas le coup, on ira demain dans le truc de la sorcière, je pense. Ah, je l'ai jamais acheté, celui-là? Bah, allons-y. Voilà. Ça c'est fait. Bon, ça c'est encore trop cher, mais un jour peut-être. Bon, bah c'est cool, on peut rentrer. Je suis bien curieuse d'aller voir quand même. On va aller voir et au cas où, si vraiment c'est trop tard, je me téléporte. Ok. T'es gentil ou t'es méchant? Mercenaire, tu veux passer? Désolé, mais c'est une propriété privée. Un moyen d'entrer à la cabane du sorcière. Comment on peut trouver des informations sur les gobelins? Peut-être en demandant aux sorciers. Je vois pas trop qui pourrait nous renseigner sur les gobelins. Il est chez lui, je suppose. De toute façon, il est toujours chez lui. Ça devient le bordel, ma ferme. Il va falloir qu'on s'en occupe. Voilà, on était vraiment focus sur l'iridium en plus. Ça nous a pris vraiment tout le stream hein, quasiment pour le choper. Hein. Je sais pas si je peux rentrer chez lui à cette heure-ci. On va essayer de voir, mais j'ai un petit doute quand même.
Il y a beaucoup de mystères nous entourent, il faut être patient sur les découvrir. Ouais, donc non, c'est pas lui qui peut me lancer sur le gobelin. Mais c'est qui alors? Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va aller au bateau d'abord, demain. C'est notre premier objectif. Et j'essaierai de me renseigner pour le prochain stream pour cette histoire de gobelin. Je pense que là, avec l'île, on va avoir de quoi faire déjà. Alors, je vais juste vendre un petit peu tout ce qu'on a trouvé. Ça, je vais la garder. La bouffe, on la garde. Voilà. Et ça, ça, on vend. Là-dedans, tac. Voilà, on est pas mal. Ah, du coup, on n'aura pas fait les géodes avec tout ça. C'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Les mauvais qui se repassent vont causer des dégâts à votre ferme. On regarde ça. Oh là là, mais l'argent qu'on se fait avec les fromages là, c'est quand même assez abusé. Hein. Café, merci. Et là-dedans, c'est pas bon. Mais ça devrait pas trop tarder. Hein. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont en étoile d'or. Bonne nouvelle, cette bonne vieille chalute est à nouveau en état de naviguer et tout ça grâce à toi. Passe quand tu veux pour leur parler à la boutique quand tu vas aller faire un tour. Ma boutique est maintenant ouverte de 8h du matin tous les jours pour pouvoir démarrer la journée plus tôt. Cool. Lui, il est bien, tu vois. L'autre, on doit l'attendre 10h là pour prendre le bus. Alors, je voulais juste voir, je sais plus, si c'était ça qui m'intéressait. Ou du foin, j'en ai encore. Ok, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Bon, je pense que je vais un peu skip les animaux là, pour aujourd'hui. Que je vais me préparer pour aller sur l'île. Donc, je vais reprendre de la bouffe. Alors, bah écoutez, je vais prendre un petit peu de fromage, parce que c'est ce qui me rapporte le plus de... Je sais pas s'il y aura des monstres ou pas dessus, donc dans le bout, je préfère en prendre un petit peu de bouffe. Voilà. On a le café aussi au cas où. Je crois que finalement, je vais avoir un petit peu de temps pour les animaux, là. Je vais me pousser qu'il puisse passer. Il faudrait que je pense à couper cet arbre pour me déplacer sur là aussi, parce qu'on perd grave de la place. Ouais, oh ouais, c'est sympa. Oh, tout ce qu'il y a. Allez. Alors, attends, on va mettre en priorité les gros. On va d'abord faire ça. Elle a réussi à ouvrir la porte. Coucou, Flemme. Bon, oui, ne veut fermer la porte. Parce que t'es pas sage. C'est une vilaine. J'aimerais bien... Voilà, j'arrivais pas à le récupérer ce plat tout à l'heure. Excusez-moi pour le bruit. Enfin, je sais pas si ça s'est entendu, mais c'est mon téléphone calibré. Ça va ma chérie? Oh oui, je sais. Attends, je le mets sur pause parce que là, voilà. Tu vas replacer mon clavier en anglais, c'est ça? Je suis sûre que tu l'as fait. Oui, oui, elle a repassé mon clavier en anglais. Mais comment elle fait? C'est incroyable, ça. À chaque fois qu'elle vient sur mon bureau, elle repasse le clavier en anglais. Je sais pas comment elle fait. Pas possible qu'elle le fasse pas exprès. Elle est diabolique. Elle est diabolique. Hop, hop, hop.
Hop, je crois qu'on est bon. Ouais. Ah, on a tout qui sont prêts. Oh, attendez, je vais enlever ça. Je vais mettre les aubergines et le maïs. Voilà. Alors du coup, je vais plutôt garder ce fromage-là plutôt que celui-ci. Donc je vais reposer le fromage-là. Voilà. Hop, hop, tac, 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 tac. Et puis le reste, c'est bon, on part avec tout ça. Hein. Ah, si, je vais juste poser. Alors, je vais garder la hache, au cas où il faut que je casse quelque chose, on sait jamais. Mais voilà, on y va. Limite, là, ça vaut le coup d'avoir des trucs pour se téléporter à la mer. Hein. Allez, ça coûte 1000. Waouh. Elle a l'air comme neuve. 1000, c'est cher, hein, quand même. J'espère que ça vaut le coup. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai plein de sous et que maintenant, 1000, j'arrive à le faire assez facilement, mais... Il y a tellement moyen qui nous améliore encore plus le jeu à terme avec ce système de bateau là. Parce qu'il y avait une petite île à droite aussi là, on a vu passer. Oh, il y a un dinosaure en bas à gauche. Bon, franchement, il y a moyen hein, qu'on ait des trucs sympas. C'est méchant, c'est quoi? C'est des crabes, tout va bien. Donne panique. Je peux pas les attraper. Alors. Ah, il y a un gamin là. Oh non, je voulais pas te faire peur. C'est juste décoratif, hein, je peux pas. Oh, ils sont trop beaux. Une petite cabane là. On peut rien faire de plus. On va se balader, on va voir ce que ça mène, hein, ce que ça fait. D'accord. D'accord. Ça vaut le coup de venir ici, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Une grosse tortue. Ben, je peux rien lui faire. Là aussi. Ok, c'est toi qui me bloque. Pour le moment, c'est bloqué. Donc on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Je coupe, hein, je ramasse tout ce que je peux, on va voir ce que ça donne. Ah. Ah, on a bien fait de casser les trucs. Ça donne des graines. Foulard de ferme. Ah, c'est comme si c'était l'été ici. Parce que les foulards de ferme, c'est qu'en été normalement. Encore une espèce de petite cabane. Feuille de journal. Oh, c'est la découverte là. Mon bateau a disparu. Jour 1, pardon. Détruit par une tempête dans les eaux de la mer impitoyable. Je me suis échoué sur ces étranges rivages. Mon équipage a péri, mais je vis toujours. Peut-être que Dame Fortune a béni mes vieux os. Ou peut-être qu'elle a d'autres projets pour moi. Dans tous les cas, je n'ai pas d'autre choix que de faire ma vie ici. Il y a de l'eau douce en abondance, de la nourriture à ramasser et un sol fertile pour faire pousser des récoltes. Je vais d'abord construire un abri. Il manque quelque part. Trop cool. Ça c'est bizarre ça. On peut interagir avec, je sais pas trop comment, mais on pourra. Là-haut. Ça mène à une petite cabane. Ah, c'est le gamin là. Tu veux toi? Noix de coco. Mais j'ai des noix de coco dorées, mais ça ressemble pas à ce que tu me demandes. Non, il veut pas ça. Je peux pas lui parler à lui là?
Et je te vois, hein. Je peux pas grimper. Ok. Bon, pour le moment, je peux rien faire. Et coucou. C'est pas ça qu'il veut. Regarde, c'en est une, ça. Attendez. Ça se secoue peut-être. Yes, on va aller lui donner. Vous avez reçu une noix dorée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est plein de trucs, je suis perdue, j'aime bien. Ah ouais, c'est cool, hein. Je suis trop contente. Tiens. Qu'est-ce que ça a fait? Ah, peut-être le gamin, il a vu que j'étais gentille. Alors, comment je suis allée ici? Déjà, coucou. Tout simplement, c'est simple, mais c'est très très long. En fait, il te suffit de terminer à 100% la quête du centre communautaire. Alors, vraiment, que tu choisisses la route de Joja, je sais pas ce que ça fait. Mais en tout cas, pour centre de communautaire, une fois qu'il est terminé, il y a Willy qui te dit « Viens derrière ma boutique et tout, j'ai quelque chose à te montrer. » Et bah, il y a un bateau à réparer, ça coûte cher. Et puis là, je viens d'arriver là. Donc, je peux pas te dire ce que je peux faire de plus ici. Mais c'est quand même assez long, il faut quand même bien avancer dans le jeu pour pouvoir aller ici. Alors, le garçon vous regarde curieusement. Ah, il parle perroquet. Il semble très proche avec les perroquets. Mais pour le moment, il est trop timide pour vous approcher. Je continue. Peut-être que celui d'amitié avec les perroquets pourrait gagner sa confiance. Bah, on va continuer, ouais, y a pas de souci. On va trouver d'autres graines comme ça. Je sais pas trop comment ça se trouve, mais... On va essayer d'en trouver, en tout cas. Il n'y en avait pas d'autres qui traînaient. Hein. Ouais, non. Bon, moi, je coupe tout, hein, parce que moi, j'aime bien les fibres, c'est pas mal. On en a besoin. Et je vais continuer le chemin. J'ai l'impression qu'on peut aller par là encore. Ouais. C'est quoi les histoires? Quand les nuages sombres pleurent, commencez votre quête pour chercher les 4 oiseaux gemmes légendaires chaque jour. Un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest. Laissez-leur des trésors devant ma porte. Hein? C'est ça que tu veux? C'est ça qu'il faut faire? Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Je peux les récupérer au cas où? Ouais, je peux les récupérer au cas où. Attendez, je vais regarder sur le wiki parce que j'ai pas envie de perdre mes trucs là. Ça m'intrigue. Alors, comment on fait? On est où déjà? Est-ce que je peux le voir? Ah, je suis là. Île gingembre. Là, je suis un peu perdue, là. Je suis en train de regarder. Ouais, non, je ne dois pas du tout lui poser ça. Hein. Il faut que j'aille... C'est quand il pleut, il faut que je revienne ici. Et apparemment, je peux aller chercher des oiseaux sur l'île. Bon, on verra bien le jour où il pleut. Donc, je vais récupérer mes trucs, parce que quand même, c'est mes trucs. Voilà, et puis on va les redonner, je vois si je peux donner une autre graine à notre ami l'oiseau. J'avais pas trouvé une graine. Oh, ça va peut-être rien donner, ou peut-être une autre coupe dorée. Je peux pas les ouvrir encore, celle-là. On croit qu'on revienne, mais ça coûte cher de revenir, c'est 1000 à chaque fois, les gars, quand même. Est-ce qu'il me redemande quelque chose, ce piaf-là? Non, il me redemande rien. À l'intérieur d'une chaussure est dorée. C'est ça? Très bizarre.
Peut-être que j'aille voir le forgeron pour qu'il l'ouvre. Comme une géode. On peut essayer, hein. J'allais dire ça me coûte rien, mais si, ça me coûte. Bonjour. Je te suis, hein. Je sais pas ce que tu es, ni où tu m'emmènes, mais... Ah, tu es parti là-haut. Je peux pas y aller là-haut. Mon accès ici, hein. Du coup, la tortue est partie. Hé hé hé. Ah non, ça me les met pas dans mon inventaire. Ça me les met dans un inventaire spécial, ici. Très bien. Ça se récolte ou c'est juste décoratif? Du gingembre, très bien. On est sur du gingembre en même temps. Là, c'est cassé. Ah, mais c'est un piédestal pour les perroquets. Donc peut-être qu'il y en a un qui va venir là, que je pourrais lui payer pour... C'est quoi ça? Il y a des trucs là-haut. Oh, ça fait peur. Il se passe plein de trucs, c'est cool. Il n'y a personne. J'ai encore accès à rien. Ok. C'est intéressant. Oh, c'est cool. Je suis contente. Ah, elle est là. Elle est rentrée dans une espèce de gros temple là. Bon, on va y aller. Je sais pas trop où ça mène, mais... Ah, je peux pas y aller là-bas encore. Ouais, je peux pas encore y aller. Ça doit avoir un rapport avec de l'eau. Je peux rien faire pour le moment. Très bien. Bon, on va explorer, hein. Je peux pas rentrer par là? Ça me semblait bizarre pourtant. Non. Et là on a encore une cabane, mais rien de spécial. C'est très joli, hein. Super sympa. Ah, il y a une coco là. Comment on y va là-bas? On passe le four. Il ne doit pas y avoir accès encore. Il faut passer par le côté avec le pont qui est cassé. Ok. Je vais voir si l'autre tortue a bougé. Il y a pas un truc là, c'est bizarre ici aussi. Ouais. Eh, faut voir, hein. Il est déjà 18h dans le jeu, il va falloir que je fasse gaffe. Là, il y a un petit écureuil aussi, mais je pense que... Ah, je lui ai fait peur. Ah ah! Pas si j'aurais le temps de pouvoir. Hein. Ah, tu en veux 10, j'en ai que 6. Hein. Donc là, pour le moment, on est bloqué. Il faudra qu'on revienne quand il pleut. Et de ce que j'ai compris, la pluie, c'est pas la même météo qu'à Stardew Valley, donc faut faire gaffe. En tout cas, c'est très sympa. J'ai hâte d'y retourner. Ça me plaît bien. Donc on ira faire ouvrir ça par le forgeron. Sans doute au prochain stream, parce que là ça fait un petit moment. Ah attendez, ils font un petit rendez-vous là encore. Marnie, nous ne pouvons pas. Si les gens venaient à la pointe, ça pourrait nuire à ma position d'autorité au village. Tu comprends, n'est-ce pas? Ah non, elle comprend pas. Tu soucies trop de ton travail, Lewis. Il y a d'autres choses dans la vie, tu sais. Mais grave, on s'en fout que tu sois en couple avec elle. Oh. Voilà, c'est bien. Assumez un peu, là. Il y en a marre, maintenant. Tenebi, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Oui, mais je garderai le secret. Je vais le dire à tout le monde! Mais non, je vais garder le secret, c'est bon. Je vous remercie, Tenebi, je n'oublierai pas. Pourquoi étais-tu caché là? Je me barre.
Bon. Bah. Moi, je vais m'arrêter là, je pense, pour ce petit stream. Parce que je suis quand même un peu fatiguée. Et bah, on se retrouvera sûrement. Bah, déjà dimanche, c'est sûr. Ah, il vient de se passer quoi? Bah, je les ai surpris à avoir une conversation, monsieur le maire et Marnie, parce qu'ils sont ensemble, mais c'est un secret. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on le sait, mais voilà. Là, je les ai pris sur le fait. Je leur ai dit que j'ai tout entendu, mais que j'allais rien redire aux autres. J'étais gentille. Mais merde, je sais plus ce que je disais. Si, oui, je vais sûrement faire un stream sur le jeu avec les écureuils qu'on a fait hier, soit demain, soit après-demain. Mercredi soir, il est probable que je stream Genshin Impact, ça fait longtemps, mais on a une nouvelle zone qui va arriver avec la mise à jour, donc je me dis pourquoi pas le faire en stream. Je sais pas si je serai avec les copains, parce que je sais qu'ils ont aussi prévu de le stream de leur côté, mais s'ils se mettent à streamer à 4h alors que moi je suis toujours en cours, bah au pire je serai toute seule, c'est pas bien grave. Et bah après, je vous redirai ça dans la semaine, hein. Je vais prendre un peu de temps et puis voilà, tranquillement. Peut-être faire un deuxième stream sur Stardew Valley dans la semaine, parce que bah, j'aime beaucoup là, le fait qu'on ait une nouvelle zone, ça me remotive. En tout cas, merci d'être passé, c'était cool. Attendez, je mets sur pause pour pas me faire avoir par l'heure et que mon personnage s'évanouisse, ce serait con. Et puis, bah, je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!